La galerie 208 présente 4 artistes, dont les œuvres s'interrogent sur la temporalité, celle du temps présent, du temps passé ou imaginé, par celle de la mémoire. Bonjour, je m'appelle Lee Chevalier. Je fais partie de ces 4 artistes regroupés par la Galerie 208 dans ce magnifique lieu pour cette exposition intitulée Just in Time. Donc l'exposition parle du temps. Et personnellement, de façon très intuitive et non scientifique, le concept de temps dans mes propres travaux, surtout dans cette série d'œuvres que je présente ici, se manifeste à travers deux concepts, la présence et l'absence. Les visiteurs pourraient bien sûr apercevoir ces objets qui se trouvent souvent entre le ciel et la ligne d'horizon de mes toiles, ces objets qui suggèrent une présence. Donc le temps est justement ce facteur, ce courant qui lie la présence et l'absence. En fait, ce qui est aussi intéressant dans ces œuvres-là, c'est l'effet bluff, en fait. C'est-à-dire que finalement, quand le spectateur arrive dans l'espace d'exposition, il semble être face à une image, une photographie sépia, etc. Et en fait, quand il se rapproche de l'œuvre, il se rend compte en fait que le papier est martyrisé, qu'il est brûlé, qu'il est troué, le papier est manipulé. En fait, et tout d'un coup, il comprend en fait que son œil s'est laissé berner et qu'il ne s'agit pas simplement d'une photographie qui pourrait être presque lisse, mais plutôt une image qui est texturée et qui aussi finalement qui renvoie à cette idée de banlieue dure à vivre. Dure à vivre. Mais encore une fois, néanmoins, hyper douce, donnée par la couleur. La couleur qui est en fait donnée par la brûlure du papier. Tout comme le temps, qui semble figé par la captation de l'artiste, nous invite à la contemplation, la rêverie, la réflexion. Comment interroger le temps? Comment le capturer? Quelle que soit la pratique, le sujet, le médium ou le support, le temps ici, proiforme, complexe et mouvement.